Nityanandeshwara Paramashiva Samarambham. Nityanandeshwari Parashakti Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. I welcome you all with my love and respect. Je vous accueille tous avec amour et respect. Je vais continuer à parler des secrets sacrés, des cognitions puissantes que Paramashiva révèle sur les 11 genres et surtout avec beaucoup d'intensité. Ô bien-aimé, écoutez, comprenez bien. L'acte sexuel, un homme ressent tout d'abord une pression physiologique sous le fait de ses hormones. Donc la physiologie envoie des signaux au corps physique. Et la structure physique, c'est le corps qui commence à répondre, à réagir, mais la psychologie n'a pas suffisamment d'affirmations positives envers la vie pour être actif. Il n'y a pas suffisamment d'amour. Et il ressent seulement la pression de la physiologie et des composants physiques, ce qui fait qu'il attend de se venger de la physiologie et des composants physiques. Dès que l'acte est terminé, la psychologie prend le dessus et vous met dans une humeur tellement négative envers la vie, de même que vos sentiments. Écoutez bien, si l'intégrité entre les composants physiques, psychologiques et physiologiques n'est pas atteinte au sujet de votre identification de genre, soit vous êtes trop sexuel ou pas assez, de toute façon, vous serez toujours en train de lutter. Si vous êtes sous-sexuel, vous aurez beaucoup de luttes dans vos rêves. Et si vous êtes sur trop sexuel, vous aurez beaucoup de problèmes dans votre monde psychologique. Comprenez bien. Que vous soyez agressif ou passif, si votre psychologie est également préparée et intégrée à la physiologie et aux composants physiques en même temps que les pressions hormonales, vous aurez beaucoup d'attention et de responsabilité pour l'autre. Et lorsque vous aurez des rapports, ce ne sera pas quelque chose de mauvais. Au contraire, vous développerez une grande intimité. À chaque niveau, votre identification de genre est importante. Comprenez bien. Que vous soyez un coureur de jupons ou un nymphomane, peu importe. Que vous soyez un sannyasi ou une sannyasini, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est si vous avez ce sentiment à l'intérieur de ce corps, un sentiment de satisfaction. Est-ce que vous êtes dans l'intégrité par rapport à vos composants psychologiques, physiologiques et physiques? Est-ce que tous ces composants sont intégrés par rapport à votre identification de genre? Récemment, je lisais des articles sur Internet et en fait, il n'y a personne qui est direct. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un de, disons, normal,
vous êtes alors dans ce mental médiocre des classes moyennes. Ils sont tellement incapables de gérer la vérité qu'ils sont médiocres, qu'ils essaient de se moquer de tout le monde. Ils sont des élites. Pourquoi croyez-vous que toutes les célébrités sont critiquées? Parce qu'il y a le mental médiocre et aussi dans la vengeance. Si vous êtes critiqué, vous êtes une célébrité. Et si vous critiquez, c'est que vous êtes médiocre. Pourquoi perdre du temps? Je suis tellement occupé avec tout ce que je suis censé faire et toutes mes contributions. Pourquoi est-ce que je perdrais du temps à me moquer de quelqu'un d'autre? Se moquer de l'autre, ce n'est rien d'autre qu'une vengeance énorme à l'intérieur. Quand vous savez que vous êtes médiocre et que vous ne pouvez rien faire à ce sujet, alors au moins, vous pouvez critiquer l'élite et vous vous sentez satisfait d'une certaine façon. Mais l'élite se venge de vous en vous maintenant toujours dans le bas. C'est ça qui se passe. Comprenez bien. Je ne suis pas intéressé à vous maintenir dans un bas niveau. Ce que je veux, c'est que vous écoutiez et que vous vous éleviez. Pour connaître votre identification physique, un simple examen physique suffit, rien d'autre. Mais votre identification physiologique, il faut que vous étudiez bien. Chaque fois que vous vous sentez excité, in kama or moha, understand, both of them are different. Quand vous vous trouviez en kama ou in moha, kama, les deux sont différents. Kama, you just want to manifest the reality va tout simplement manifester votre réalité et la réalité de l'autre ou des moha, autres qui sont impliqués dans votre you vie. Just want to exploit dans moha, everyone for vous voulez tout simplement exploiter tout le monde. Votre plaisir. Ça, ce sont deux choses différentes. Dans Kama, vous êtes tout à fait sûr que vous voulez qu'il y ait l'accomplissement pour tous les gens impliqués, mais dans Moha, il n'y a que vous. Vous avez l'intention de vous sentir complet, non, même pas complet. C'est soulagé, disons. Écoutez attentivement. Physiology is pressured. Chaque fois que votre physiologie subit une pression, si votre physiologie se sent dans Kama, c'est de l'intégrité. Vous serez un tel être d'une grande beauté, un être d'une grande beauté. Chaque fois que votre physiologie subit une pression, ou a l'impression d'être sous pression, et que votre psychologie ressemblera, vous serez un exploitant. That's it. Ce sera plus ou moins comme une masturbation avec un autre corps ou du viol, c'est tout. Comprenez bien. Le reflet de Paramashiva en vous, la conscience individuelle, a la liberté de s'aligner, du moins d'aligner votre identification de genre, le niveau de la physiologie, de la psychologie et de la physique. Je voulais vous dire que par votre propre volonté, vous pouvez changer votre genre complètement et physiquement. Sri Ramakrishna l'a démontré. Il y avait un autre grand yogi qui vivait dans le sud de l'Inde. Il était en Mathu Baba avec Sri Krishna. Avec sa volonté, il a manifesté tous les caractères féminins dans son système. Écoutez bien, la première vérité qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il n'y a personne qui soit direct. Vous êtes tout simplement un être qui est habillé d'un corps.
attraction is nothing to do with the gender. L'attraction sexuelle n'a rien à voir avec le genre. Grace you feel with the opposite. De la personne opposée. Beautifully Upanishad. C'est la grâce que vous ressentez avec l'autre personne. Not because he's male or female. Les Upanishads disent vous aimez votre femme ou votre mari non pas parce qu'il est homme ou femme ou parce que c'est un mari ou votre femme. C'est parce qu'il est un reflet de votre intégrité, attraction de votre identité. Due to the grace, l'attraction the other body radiates. Vient de la grâce qui est rayonnée par votre corps. Of the integrity that person's physical, la grâce, physiological, c'est la quantité d'intégrité que les composants enjoys, understand? The more que l'identité their gender identification is integrated, more grace will manifest. They will radiate. Plus leur identification grace de genre est intégrée, plus ils rayonneront de grâce. La grâce à avoir avec le fait d'être totalement à l'aise avec votre composant physique, physiologique, psychologique. En fait, c'est votre identité consciente que l'on appelle Aham. Et toutes les attirances viennent sont attirés par la grâce et non pas par le genre de l'autre, ni vers la personne, c'est vers la grâce. Sortez de ces idées médiocres du genre. Feel completely relieved if you are sentez-vous totalement soulagé. Understand? Si vous êtes confus par rapport à votre identification de genre. Si vous êtes confus à ce sujet, sentez-vous bien par rapport à cela. Vous êtes au-dessus des êtres médiocres parce que les êtres médiocres ont décidé d'avoir des croyances erronées parce qu'ils ont peur de la société. C'est cette peur de la société qui fait que vous niez votre confusion ou la crise identitaire et vous acceptez ce que dit la société et vous continuez à vous torturer toute votre vie pour croire ce que la société a décidé pour vous. Elle vous a donné une étiquette et vous la suivez. Et c'est une torture. Je suis tellement reconnaissant envers mes gourous. Au bon moment, j'ai reçu cette leçon. Et cette compréhension, ces révélations. Replicate the same knowledge. J'ai essayé de reproduire la même connaissance all the Gurukul students all over the world. All of you need to know. À tous les enfants de la Gurukul dans le monde entier. The whole world. Il faut que vous sachiez que j'ai ouvert des Gurukul dans le monde entier. Vous n'avez pas à être place. À l'intérieur d'Adhika Elasa ni dans un endroit particulier. J'ouvre la Gurukul and I am also going to make even open to all. You can take Krama Brahmacharya and offer le Krama Brahmacharya. In those vous days, pourrez vivre no chez vous et être quand même Krama Brahmacharya. À l'époque, il n'y avait pas d'internet et donc so ce n'était pas possible d'enseigner. Now we have everything. Donc les gens devaient tous se rassembler à un endroit, mais maintenant que nous avons cette technologie, utilisons-la pour les meilleurs résultats. Pour les meilleurs résultats, je vous demande toujours de venir à Adi Kailash, mais ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas venir que je vais vous refuser. Donc, essayez de votre côté. Même le programme Paramashivoham, pour les meilleurs résultats, ce serait bien de venir à Adi Kailash, mais du fait que vous ne pouvez pas venir, je ne vais pas vous refuser. For everyone to attend, even from your home. Faites tout ça de votre côté. That as Paramashivoham, trying it out on en fait, your own. J'ouvre cette possibilité à tout le monde. Nothing wrong. Et j'appelle cela Paramashivoham. Essayez cela de votre côté. Il n'y a rien de mal à ça. Vous en tirerez autant de bienfaits par rapport à votre intégrité et votre implication. Quand je vous demande d'être célibat pendant les 21 premières années, je ne suis pas un sadique. Je ne suis pas un sadique. Je veux que vous compreniez
tout d'abord, quelle est votre identité réelle? What is your real gender identity? Quelle est celle que vous savourez? Quelle est votre réelle identité dans le genre? Si vous intégrez votre identité de genre, que vous soyez un guastas, un sanyasi ou un coureur de jupons, vous serez quelqu'un de très gracieux. Vous serez tellement gracieux. J'ai vu les sanyasis les plus gracieux et les plus gracieux coureurs de jupons. Sometimes I used to wonder how both of them radiate such grace. Et je me disais, comment se fait-il que les deux rayonnent une telle grâce? Et j'ai réalisé que ce n'était pas l'action, mais l'intégrité et l'identité que vous ressentez dans le domaine physique, psychologique et physiologique et au niveau conscient. Is absolute brahmachari, but such grace and the most graceful. La personne la plus gracieuse que j'ai jamais rencontrée, c'est Absurat Kumbhar. Raghupati Yogi avait 14 enfants. Mais je dirais que sa grâce équivalait à celle de Ramsumat Kumbhar. Et l'une des personnes les plus gracieuses que j'ai jamais rencontrées, c'était Osho. Je ne vais pas le classer quelque part, mais selon ses propres paroles, ce n'est pas un célibataire. Il ne pratique pas le célibat, disons. Mais les trois étaient également gracieux. Cela signifie que vos actions extérieures n'ont pas d'importance lorsqu'il s'agit de la sexualité. Votre identité de genre la plus intime, c'est cela qui est important. Si vous avez résolu cela, tout est résolu. Résolvez à ce niveau et tout sera résolu. Les trois avaient résolu ce point-là. Et du fait que ce point était résolu, qu'ils soient des célibataires, qu'ils vivent avec une femme en tant que grouasta ou avec un mari en tant que grouasta, la femme la plus gracieuse que j'ai jamais vue, c'est Gupamal, mon gourou, ma gourou. Elle vivait avec un mari et elle avait 4 enfants. Quelle grâce! And same way, Osho. De même, all three, Osho, all four, les trois, such graceful les quatre beings, c'était des êtres tellement gracieux parce que la grâce vient de la complétion interne, intérieure. Ça n'a rien à voir avec les actions extérieures. Grace means la grâce signifie la capacité à générer un amour immense et du respect pour l'autre. Dès que l'autre vous voit, il ou elle vous voit, rien qu'à la vue, si vous pouvez instiguer, invoquer beaucoup d'amour et de respect, on appelle cela. When Sita je suppose entered qu'il the court, dit grâce, je crois qu'il a dit. Court stood up, including quand Janaka, Sita est entré dans la cour, Janaka la cour father. S'est levée, y compris Janaka. Janaka, c'est son père. Et il dit, la grâce such, qu'elle portait en elle munis, était telle que tous les riches et les munis, tous les gens qui venaient pour l'épouser, ou qui avaient ce désir sexuel, ils ont tous oublié leur identité pendant quelques secondes et se sont levés. La grâce qu'elle rayonnait, je vous le dis. I wanted to get into the details. Je voulais entrer dans les détails.
women suffer and feeling tous les changements d'humeur dont souffrent les femmes, ce sentiment d'être exploitées. Les femmes ressentent cela parce que leurs trois couches ne sont pas intégrées, physiques, psychologiques et physiologiques, ne ressentent pas la même identité de genre. Il y a quelque chose qui ne convient pas, qui n'est pas adapté. Il y a de la confusion. Et c'est pourquoi les femmes, que chaque fois qu'elles entrent dans un acte sexuel, elles se sentent exploitées, torturées. All you need is aligning. And when I say aligning, I don't want to say besoin, c'est de vous aligner. In physical, physiological, psychological, you need to feel the same gender identity. No, you just need to identify. Vous n'avez pas à ressentir la même identité de genre. If you identify, you will know. Dans tous les niveaux. Why you are feeling what you are feeling, why you are behaving the way you are behaving. Et alors, vous saurez pourquoi vous avez des sentiments et que vous conduisez d'une certaine façon. Quand vous vous apercevez de vos angles morts, en fait, vous les guérissez. Il n'existe plus. Lorsque vous réalisez pourquoi vous vous conduisez d'une telle façon, pourquoi vous faites ce que vous faites de la façon dont vous le faites et pourquoi vous dites ce que vous dites, cela vous libère. I tell you. Je vous just le dis. This one understanding and realization is shared. Rien qu'avec cette compréhension et cette réalisation, Paramashiva donne au moins 25 méthodologies pour identifier votre genre dans le domaine physique, psychologique, physiologique et au niveau conscient. Je vais tout vous révéler. Ne vous imaginez pas que je vais garder tous ces secrets et que je ne les donnerai qu'aux participants de Paramashiva Ram. Non, je le révèle tout de suite. Je suis pour vous donner tout ce que Paramashiva me transmet. Et si mon corps s'arrêtait maintenant, je sais que j'aurai fait tout ce que j'avais à faire. Mais s'il me permet de continuer, si mon corps continue à fonctionner, cela dépend de lui, je continuerai à fonctionner. Et je le dis très clairement, je n'ai rien gardé pour moi de ce qu'il m'a donné. Qu'il s'agisse de la compréhension, des pouvoirs, de la connaissance, de l'énergie ou de la Shakti, tout ce qu'il m'a donné, je vous l'ai transmis à vous tous. Je n'ai rien gardé pour moi. À part les deux repas que je prends chaque jour, je n'ai rien à recevoir de la société. Et même maintenant, je l'ai réduit à un seul repas. Donc, je n'ai rien à obtenir ni à gagner de l'humanité ou de la société. Tout ce qu'il continuera à me révéler, je continuerai à vous le révéler à vous. Donc, ce qu'on fonctionne, et même après, lorsque je serai en Mahasamadhi, je continuerai à le partager avec vous. Comprenez bien. One of the most important, powerful realization you need to have. L'une des réalisations les plus importantes et les plus puissantes qu'il vous faut avoir, c'est de décider de ne plus être médiocre. Understand? If you want to be Windows 8, don't try to operate with Windows 1 or 2. Si vous voulez fonctionner avec Windows 8, ne fonctionnez pas avec Windows 1 ou 2. Mettez-vous à jour. Ne continuez pas à avoir des conversations stupides qui vous ont été infusées par des gens médiocres. Essayez d'avoir des conversations matures qui vous sont données en tant que co-licence par Paramashiva. N'essayez pas de croire les vidéos pornographiques et les sites porno, les idées qu'ils vous donnent à votre sujet.
Essayez de reconnaître ce que Paramashiva vous donne comme identité. Il donne votre identité, comprenez bien. Si cette vérité, ces 20 à 30 principes qu'il donne pour identifier votre genre à de multiples niveaux, si vous faites ne serait-ce que cela, je peux vous dire que pratiquement 90% de vos désordres psychologiques seront résolus. Sans cette intégrité au genre, chaque fois que vous avez un acte sexuel ou que vous le réprimez, vous créez des blessures en vous. Que vous vous masturbiez seul ou avec un autre corps, vous créez des blessures, des cicatrices en vous. Cette identification, detoxification you need to go through. It's a c'est la détoxination primordiale que vous devez traverser. C'est une compréhension fondamentale que devrait recevoir un enfant dès l'âge de 7 ans. 7 ans, l'enfant devrait commencer à apprendre les 11 genres, à connaître les 11 genres et dans quel genre il se sent à l'aise physiquement, physiologiquement, psychologiquement et au niveau conscient aussi. Il devrait commencer à explorer les multiples permutations, combinaisons. Et il faudrait qu'il découvre dans quelle combinaison il se sent à l'aise pour dire « Ah, je me reconnais ». Là où il manifeste ses plus grandes possibilités, les pouvoirs les plus élevés. Je peux le voir dans ma gurukul. Les gens qui manifestent des pouvoirs, ils sont tellement confortables dans leur corps, tellement à l'aise. Ce n'est que lorsqu'ils traversent cette crise d'activité de genre qu'ils commencent à exploiter l'autre, qu'ils laissent l'autre leur permettre de les exploiter. Jusqu'à l'âge de 21 ans, ne laissez personne vous explorer. Et n'explorez pas les autres non plus. Et vous aurez de multiples réalisations, je vous le dis. Ces réalisations vous consolideront, vous rendront plus solide. De la vaisselle en or sera très précieuse et très cher, mais ça ne vous sera pas utile pour mettre du mercure dedans. Pour contenir le mercure, il vous faut un récipient en pierre. Il faut que vous créiez un corps pour vous sentir. I'm collecting all the secrets I have revealed on gender identity earlier also. Je récolte tous les secrets sacrés que j'ai révélés sur l'identité des genres et tout, et je les télécharge tous dans une Enlightened app. Et ainsi, je peux vous rappeler à nouveau de télécharger cette Enlightened app gratuite et savourer tous les satsangs 24 heures sur 24. Enlighten Up, c'est m'avoir 24 heures sur 24. Savourez les satsangs en direct 24 heures sur 24. Obtenez toutes les bonnes réponses à vos questions à travers cet Enlighten Up. Là-dessus, je vous bénis tous et je vous rappelle une fois de plus de pratiquer le Nityananda Yoga à 4 heures du matin, heure indienne, et je continuerai à vous révéler de plus en plus de secrets sacrés sur ces sujets et je vais vous préparer à Paramashivoram.